الأموال الموجودة بالخارج ومكتسبة بصورة غير مشروعة. أنا أعتقد هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وإلى تدعيم الشفافية. Et parler de manière générale aussi des cas qui se trouvent en ce moment dans la juridiction climatique. D'accord. Notamment les cas tunisiens, égyptiens. D'accord. Pour le cas du Tunisien, vous pouvez nous en parler un peu plus en détail, si c'est possible. Oui, alors le cas tunisien, comme vous le savez, probablement il y a 60 millions de dollars qui ont été bloqués en Suisse en 2011 suite au printemps arabe. Et ces 60 millions, il y a des procédures pénales qui ont été initiées en Suisse et en parallèle des procédures en matière de retraite à l'international pour lesquelles la Tunisie s'est constituée partie active à ces procédures. Récemment, en janvier de cette année, le ministère public de la Confédération a annoncé qu'il allait restituer les fonds, 40 millions des 60 millions qui sont en total bloqués en Suisse, qu'ils allaient restituer ça à la Tunisie. La décision des procureurs généraux est en ce moment en procédure d'appel devant le tribunal fédéral suisse. Donc on aura, je pense, bientôt des nouvelles sur cette décision. Est-ce qu'il y a une période fixe et une date fixe ou pas encore? Non, ça dépend en fait. La période de la procédure dépend de manière générale des appels que la partie adverse fait. Et moi je peux vous garantir, la partie, enfin les avocats, les ménagers, et des entreprises qui sont rattachées à son plan, elles sont très actives dans ces sens-là en Suisse. Donc, il y a des recours dans tous les sens, ce qui retarde en fait le processus de la restitution. D'accord. Et pourquoi ça a mis tant de temps, là, depuis 2011 jusqu'à 2014, on est aujourd'hui pour 3 ans. Vous pensez que c'est beaucoup? Je pense que c'est des procédures extrêmement complexes. Juste pour vous donner un exemple, le cas Marco de Philippines, la restitution a duré 25 ans. Ça a duré 5 ans? 25 ans. Les cas Montesinos, les cas péruviens, durent en ce moment 18 ans. Donc on n'a pas encore réussi à passer ce cas. Le problème ne vient pas seulement de l'État suisse, il vient aussi de l'État tunisien ou des autres États victimes, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à sortir une ordonnance de confiscation pénale par rapport à ces fonds. Vous voyez? Oui. Le système est comme ça. D'abord, c'est l'État victime qui doit sortir dans ce tribunal une demande de confiscation, pour ensuite, sur la base de ces demandes, demander l'aide du pays. Et ça, la parole est faite. المؤتمر الدولي هذا للاسترجاع الأموال المنهوبة هو مؤتمر يهدف إلى إعادة تفعيل وإعادة إثارة موضوع استرجاع الأموال المنهوبة لليوم للأسف ما عادش من أولويات السياسيين ما عادش من أولويات أصحاب القرار. نحب المؤتمر هذا يخرج توصيات على الأقل الخروج كما قلت توصيات لتقديمها فيما بعد في ورقة عمل يخرج بها المؤتمر هذا. المؤتمر هذا يهدف أيضا إلى استقاء التجارب المقارنة والتجارب اللي عاشتها يعني بعض الدول اللي كانت على تقريبا نفس التجربة اللي عاشتها تونس. ففرصة هذه باش على الأقل السياسيين ولا الخبراء التوانسة ولا القضاة التوانسة يتقابلوا مع الناس هذوما ويحكيوا معاهم ويتبادلوا الخبرات. المشروع هذا مشروع استرجاع الأموال المنهوبة هو مشروع نقوم به بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية. هو مشروع زاد إقليمي يصير في نفس الوقت في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن. المشروع هذا زاد يهدف إلى دفع السياسيين ودفع أصحاب القرار لأخذ بعض الإجراءات اللي تكون حاسمة وتكون يعني إجراءات تكون واضحة. فما استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، خاصة أنه اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة تنتهي مهامها في 2015، فمهم جدا أنه نشتغلوا على استمرارية العمل على استرجاع الأموال هذه تكون استراتيجية واضحة وتكون صحيحة. في البلاد التي لديها تغيير كما حصل في منطقتنا العربية، لدينا اليمن ومصر وتونس وليبيا كبلدان فتحت أفق كبير لإرادة سياسية وإرادة شعبية لاسترداد هذه الأموال. الدور على المجتمع ليس فقط الدعوة لاسترداد هذه الأموال، ولكن أيضا عند استرداد هذه الأموال أين تذهب هذه الأموال؟ هي أيضا لوضع أسس إعادتها للشعب بالطرق الصحيحة.
participé, c'est que nous avons déposé une plainte au tout début de la révolution tunisienne sur le modèle de plainte qu'on avait déjà déposé à l'encontre des chefs d'État d'autres pays, avec l'objectif de faciliter le gel et la restitution d'avoirs publics détournés par ces dirigeants. Donc nous avons décidé de déposer cette plainte au tout début du printemps arabe de la révolution tunisienne. Entre-temps, le gouvernement tunisien a pris le relais, a aussi déposé plainte en France pour faciliter, pour récupérer les avoirs détournés par les anciens dirigeants qui sont localisés en France. Donc on voit évidemment d'un très bon œil les efforts qui sont aujourd'hui déployés par la société civile tunisienne pour surveiller, encourager, faciliter cette restitution. Et par rapport à le partenariat, la collaboration tunisio-française, ça avance? Alors là-dessus, je vais vous décevoir, j'ai peu d'informations parce que nous sommes partie civile à cette plainte, donc nous avons accès au dossier d'instruction, donc à certains éléments, mais en revanche on n'a pas une vision claire sur la qualité et l'efficacité de la coopération entre les autorités tunisiennes et les autorités françaises. Mais je crois qu'on va justement en apprendre un peu aujourd'hui parce que ces autorités seront représentées pour nous dire si les choses avancent et si elles n'avancent pas, pour quelles raisons, quels sont les obstacles qui freinent ce processus de restitution. Mais un commentaire un peu plus général, hein, d'autres exemples montrent que même lorsque deux États ont la volonté de coopérer autour de ces processus de restitution d'avoirs volés, ils se heurtent souvent à beaucoup d'obstacles techniques, juridiques. D'abord, souvent une question de capacité. Il faut que les États dans lesquels l'argent a été volé est une capacité technique suffisante. Quand je dis technique, c'est financière, juridique. Et même lorsque cette capacité est constituée, on a en face de nous des personnes qui ne se laissent pas faire, qui recrutent aussi des avocats pour contester, freiner l'ensemble des procédures. Et donc il y a tout le travail qui consiste à identifier les patrimoines et à obtenir des décisions de justice qui permettent le rapatriement. Tout ça est très long et extrêmement procédé.